ce pari, une belle victoire. Elle a eu un peu chaud, mais elle le fait quand même. Elle est bien partie courageusement sur l'attaque des Purzels. Voilà, un peu chaud, mais il fait très chaud aujourd'hui. Et puis là, c'est, à Chantilly, les chevaux sont vraiment très tendus, parce qu'il y a beaucoup d'espace, il y a du vent. Ça, ça ne m'inquiétait pas. La chose, c'est que la pouliche est un peu légère. Elle n'est pas très facile à entraîner, mais elle a très bonne action, puis elle est très bonne. Elle fait preuve de courage, surtout elle fait preuve de classe. La suite, maintenant, il y a une vraie course aujourd'hui. La suite, je sais pas, on verra. Elle va rentrer là, chez elle et puis on verra bien. On a le temps. Elle a une course trois fois. Elle avait couru deux fois en trois semaines. On va prendre un peu de temps. Bravo. Merci. Cipriani, battu de peu, une très belle performance de Purzel encore. Oui, avant la course, j'ai fait une signature pour être 12e. Après la course, voilà, on a perdu de rien. Mais quelque vraiment important, c'est la super performance de Montpouliche qui aujourd'hui, avec beaucoup de vitesse, elle a vraiment bien couru. Elle est capable de faire deux accélérations. Elle est tombée juste à rien de la gagnante, qui la dernière fois, elle est deux ou trois longueurs d'avant. Donc, quand les Pouliches vont monter comme ça, ils sont super professionnels. Voilà, chapeau. Oui. Elle a fait tout bien, donc c'est une bonne histoire de sa pouliche, non? Stéphane Masqué, elle a vraiment monté. Oui, elle est venue déjà monter le matin au travail, elle est déjà contente le jour qu'elle a travaillé, et aujourd'hui elle a super bien travaillé. Mais comme d'habitude, c'est un super grand jockey, donc jamais une question avec lui. Bravo en tout cas. Merci, très bien.